Bonjour à tous et à toutes. Cette fois-ci, c'est un brouillon sur l'augmentation de l'énergie électrique répercutée sur la Zoé, par exemple. Combien cela va représenter au nombre de kilomètres effectués? Alors, répercussion d'une augmentation de 5% de l'énergie électrique étalée sur 2 années. Cela représente une augmentation de 10 centimes d'euros aux 100 km. Pour 1 000 km, 1 euro. Et je rajoute environ, puisque cela dépend de nos forfaits électriques, bien entendu. On a tous un forfait différent, du fournisseur d'énergie aussi. Mais c'est une moyenne. Donc cela représente 3 euros pour 3 000 km et 36 euros d'augmentation sur un an. Donc c'est-à-dire que pour plus de 30 000 km par an, cela représente 36 euros d'augmentation. Une énergie qui est produite en France. Ce sont des augmentations françaises. Elles ne viennent pas de l'étranger. Si maintenant nous prenons l'énergie d'origine fossile, excusez-moi pour la faute, pétrole et dérivés, le baril équivaut à 150 litres de pétrole brut, soit 72 litres d'essence. Pour vous donner un ordre d'idée, quand l'Arabie saoudite réduit sa production ou augmente sa production de 500 000 barils de pétrole brut par jour, cela représente la quantité d'eau contenue dans les 3 lacs réservoirs qu'il y a dans l'Aube, à quelque chose près. Cours du baril de pétrole début décembre 2018, au plus bas depuis 10 ans, environ 52 $ le baril de pétrole brut. Ça ne va pas durer. Si le cours remonte à, exemple, 81 $ au cours moyen constaté annuellement, le litre d'essence passera de 1,40 € à environ 1,60 €. Une augmentation, les chiffres bruts. Donc, pour 100 km, cela coûtera 1,40 € de plus. Pour 1 000 km, 14 euros de plus. Pour 3 000 km, cela représente un surcoût de 42 fois 12, 504 euros sur l'année. Ce sont des chiffres moyens, mais qui sont parlants. Sachant que je pars d'une base de 81 $ au cours moyen constaté, le pétrole, la France n'en produit pas. On est exclusivement importateur de notre énergie thermique, fossile. Donc on dépend du cours moyen. Si le cours remonte à plus de 100 $, le litre d'essence pourrait atteindre 1,70 € à 1,80 € et peut-être plus. Et là, c'est indépendant de notre pays, je le rappelle. Voilà, calcul toujours simple, c'est parlant, 36 euros à l'année. 504 euros sur l'année. Je vous remercie et à bientôt.